Partie 13 de Last Window. Souvenez-vous, on avait rencontré Mila. Dans le premier épisode, il y a une cinématique qui s'enclenche avant que j'ai fini mon introduction. Mais c'est Tony ! C'est Tony qui est là. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Partie 13, Tony est là. Il a besoin de son. Il va faire une combine. Qu'est-ce qu'il nous veut ? On va lui parler. On va lui parler. À mon avis, il va nous dire quelque chose. Ah, peut-être qu'il a... On va faire d'accord. Oh, on va passer boire un coup avec lui. La classe. Bon, on verra. Donc on verra ce qu'on pourra faire au réveillon. Allez, donc du coup, on va devoir aller livrer un colis à Madame Patrice. Qu'on ne voit pas beaucoup, hein, finalement. Son appartement est quand même assez chelou quoi. On commence à rentrer dans une salle vide pour entrer dans le salon directement. Donc du coup, on va lui parler. Lui livrer le paquet. Y a pas de musique. Oula, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Bon, du coup, on va lui poser la question. Bon, on va voir un truc. On se retrouve donc, désolé hein, pour cette petite interruption. Donc, on se retrouve toujours pour la partie 13. Du coup, donc on ne lui a pas justement posé de question. Est-ce qu'on aurait dû? Oui, on aurait dû. Du coup, on a justement une question à lui poser à nouveau. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait dans la boîte, Madame Patrice? On a une bombe. Pourquoi une bombe? Est-ce que finalement c'est une attaque terroriste qui a eu lieu? Non, c'est pas possible. Si vous ignorez un avertissement, quelque chose de fâcheux pourrait arriver.
tout le monde commence à s'intéresser à cette fille, donc qui est Mila. Le pager, super, donc il faut retourner à l'appart. Ça, c'est un petit peu peut-être le défaut du jeu, je trouve qu'il y a beaucoup d'aller-retour entre notre appartement et justement l'hôtel. Donc ce qui est un petit peu en général assez embêtant. Et ça coupe un petit peu justement le jeu, je trouve. L'histoire du jeu. Bon, bien évidemment, ça fait partie du scénario, donc on apprend évidemment des choses. Donc je pense que ça va être Rachel qui va nous. Qui va peut-être nous parler de l'état de Ed. Oui, c'est Rachel. Ah là là. Du coup, est-ce qu'on pourrait boire la bouteille de vin justement? Ah, on se fait interrompre, ça doit être à mon avis. Qui ça peut être? Qui ça peut être? Est-ce que c'est Tony ou est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre? Marie peut-être? Ah, je plane sur Marie. Ah non, c'est un nouveau personnage. Madame Jenny Hyde. Ah, mais c'est le cadeau de. C'est notre cadeau de Noël. Donc, du coup, on va le voir. Je me demande ce qu'il y a dedans. Souvenir des souvenirs d'il y a 25 ans. Tu trouves dans cette boîte ce que ton père avait dans sa valise lorsqu'il est parti. À Kyle, mon fils adoré. Pardon. Clé de voiture. Une balle de baseball. Et l'enveloppe, on n'a pas pu la voir. C'est bizarre. Ah non, mais bah l'enveloppe, c'était juste l'enveloppe que nous avait envoyée notre mère. Donc du coup, on a reçu des affaires qui nous rappellent notre père. Je trouve ça un petit peu assez pas morbide, mais triste. Ah. Wapessar et réveillon au Lucky Café. Allez, c'est parti. On va aller manger un coup, et ça c'est cool. Allez, c'est parti. Je me demande s'il va y avoir du monde ou si on va être tous les deux. Du coup, il n'y est pas encore. Thank you.
Ah, mais c'est pour ça qu'il rigole. On va le laisser. Je pense pas que ça va être assez intéressant, mais pourquoi pas. Ah d'accord, ok. Donc il était fan de lui. Allez, on va mettre un petit morceau sur le jukebox. Donc ça rappelle évidemment Hotel Dusk. C'est exactement la même chose quand on buvait un coup justement avec avec Louis. Qu'est-ce qu'on va mettre? Nuit de solitude. Souvenir lointain. Elle est jolie. Non, je pense qu'on va mettre Dusty Cat. Parce que je l'aime bien celle-ci. Donc, du coup, je sais pas s'il faut attendre ou s'il faut parler. Ah, du coup, on va peut-être parler. Ok, y a rien, peut-être parler au père. Il faut juste attendre. Bon, du coup, je pense qu'il faut juste attendre. Ah, il est là. Ouh, il a peut-être réussi son coup. Allez hop.
Ah, génial, on va jouer au billard. Ah, ça c'est cool. Ça a l'air vraiment d'être trick. Ça a l'air vraiment juste d'être un chapitre bonus en fait. Ah, c'est cool, vraiment c'est pas mal. Qu'on va perdre. Frappe la bi-blanche pour casser le paquet. Si tu rentres la blanche, tu ne marques pas de points. Ok, oui, bon, donc c'est la règle du billard classique. Donc dans la règle du billard classique, en fait, si vous y avez jamais joué, en gros, le but, c'est de mettre justement des boules. Bon, ça, vous l'avez compris. Et donc du coup, il y a deux règles principales. La boule noire, il faut la mettre en général à la fin, il me semble. Et vous savez, sur la boule, il y a un numéro qui indique en fait le score que vous gagnez, quoi. Bien évidemment, quoi. Et celui qui a le score le plus haut gagne, quoi. Et vous pouvez continuer... vous pouvez continuer de tirer... à chaque fois que vous mettez une boule, justement. Bon, du coup, on va tenter... Et donc là, ça a l'air d'être un truc, mais c'est exactement la même chose qu'avec le bowling, hein. Voilà. Du coup, il en a mis une, lui aussi. Ouch, il en a mis. Bon, du coup, je vais perdre, hein, bien évidemment. Hein. Ah, j'ai vraiment pas de bol. Hein. Pas de pot. Bon, je pense pas que ça change quelque chose, hein, bien évidemment. Bon, heureusement qu'on a pas un game over, hein, parce que là, si on avait un game over... Ça embêterait. Ah, je vais oublier pour chaque monde. Bon, de toute façon, on va tous les perdre, donc autant perdre tous les matchs. Allez, c'est parti, donc. Ok, donc peut-être moyen de se rectifier. Ok. Ils mettent tous à chaque fois une, ils ont tellement de peau. Moi j'en mets aucune, moi. Cette grosse malchance.
Ouais, il en a mis deux. J'arrive déjà pas à en mettre une. Ah là 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 là, quelle tristesse. Non bah c'est impossible à gagner là. De toute façon on va tous les perdre, donc bon. Bon du coup, moi je pense qu'on va perdre maintenant contre Claire. Allez, c'est parti. On va tous les perdre. Bon, c'est pas grave, hein. Bon. J'ai l'impression que c'est du pifomètre, ça me saoule. Mais regardez ça, la chance! Mais ils en mettent toujours au moins un! Je vois au moins en gagner un, allez, s'il vous plaît! Oui! J'en ai gagné une. J'ai gagné une manche. Voilà, même elle le dit. Bon, allez, j'en mets trois. Ouais, j'ai mis la blanche, mais j'en ai mis une autre. Super. Voilà, on les a tous perdus. Ah, si la blanche n'était pas rentrée, on aurait fait égalité. Bon, du coup, bah, on a perdu les trois, c'est génial. C'est l'éclat total. Ça fait plaisir hein, de perdre tous nos matchs. Hein. Ouais, mais là on a vraiment. C'est l'impression que c'était juste un jeu de chance. Hein. Allez hop. Qui c'est? Ah, c'est le. C'est l'autre. C'est la terre. Non, mais tu vois pas qu'il est amoureux. Vous êtes quelqu'un de têtu, tenace, vous ne fiez qu'à vos intuitions. Aussi chelou lui. Pourquoi voulait-il vraiment nous parler? Bon du coup les trois défaites nous permettront pas de gagner de bonus, ben tant pis, hein, voilà. On n'aura rien. J'ai rien gagné. Ah tiens, qui entre? Ah bah c'est Betty. Alors là, on peut dire espèce de traître.
Voilà. Ouais, bon, du coup, voilà quoi, on leur fout les 1000 euros et voilà. Voilà comment on est traité. Voilà comment on est traité. Ah là là. Dès qu'il s'agit de bites, hein, là ça part, hein, direct, hein. Ok, on a compris. Voilà, on se retrouve seul. On aurait pu gagner le festin quand même, hein. Si la boule blanche n'était pas rentrée, c'était bon. Ah là là. Voilà, c'est fini. Du coup, maintenant, on va boire avec le patron. Cognac XO, le genre d'alcool qu'on ne boit pas toujours. Cognac, c'est vraiment fort. Une fois, j'en avais bu et je suis pas trop fan de ça. Mais je pense que qu'on apprécie en général les alcools forts quand on vieillit. Mais bon, par exemple, les alcools forts qui ne dérangent pas le whisky, je trouve que c'est vraiment plutôt bon. Bon, après, ça dépend quel whisky, hein. Le JB, c'est vraiment de la merde pure. Le Jack Daniel, ça va encore, mais c'est pas fameux. Après, bon. J'ai jamais vraiment goûté des whiskies d'exception. Je crois que le seul whisky vraiment d'exception que j'avais goûté, je crois que c'était un whisky japonais, il me semble. Mais je pourrais pas vous dire, hein, je suis pas un grand connaisseur. Donc je ne pourrais pas vous dire. Réveillons en solitaire. Ah, donc du coup on va pouvoir la mettre dans le jukebox. On va voir ce que c'est. Ça va peut-être être déjà la fin du chapitre. Du coup, c'était vraiment un chapitre bonus. Hein. Donc du coup, on s'est pris un vent par Tony. C'est la classe ultime. Mais bon, fallait s'y attendre. Hein. Dès qu'elle est rentrée, j'avais compris qu'on allait se prendre un gros vent. Oh, c'est pas grave, hein, ça arrive. Et donc du coup on va écouter le disque je pense. Et peut-être que... Non, il faut l'utiliser... Je suis débile. Il faut l'utiliser sur la platine. J'espère qu'on va pas avoir de game over. Hein. Faut pas mettre ce truc normalement. Ah
Ah oui, c'était vraiment un chapitre bonus. Mais il était pas mal. Quelqu'un a sonné à ma porte. Qui était-ce? C'était. Ouf. C'était Mila. Oui, c'était Mila. C'était une bombe. Vu qu'elle avait reçu des lettres de menace, donc c'était évident que qu'elle pensait qu'on la menaçait. Apporte-moi une carte, une balle et une clé. C'était Will, hein, il me semble. Et on a fini le chapitre 7! Ça veut dire qu'il nous reste 3 chapitres, donc le 8, le 9 et le 10. Donc on en a encore finalement pour un bon bout de temps, je pense. On va un petit peu commencer le chapitre 7, hein, vite fait. Le chapitre 8, pardon. Du coup, qui lui va peut-être être assez chargé, je pense. Vu que ce chapitre était vraiment un chapitre bonus, hein. Puisque c'était le réveillon de Noël. Donc celui-là, c'était. Ah, donc du coup, peut-être qu'il va avoir Ed. Ou il est juste à l'hôpital comme ça. Ah, c'est si, il le voit. Chapitre 8, le 25 décembre. Donc il y a un coffret. C'est toujours l'indice. Toujours un indice avant chaque début de chapitre. Vraiment très bien écrit. Bon, du coup, on va un petit peu continuer. J'adore vraiment l'écriture du jeu, est vraiment tout aussi génial que Hotel Dusk. Et ça, c'est
ça c'est bon, vraiment là. Donc du coup, c'est qui... Ah, ça doit être Rachel. Ou peut-être Mila, mais à mon avis ça doit être Rachel. Donc, du coup, peut-être que... On va peut-être reprendre notre enquête hein, aussi. Hein. Vu qu'on avait... Ah, c'est maman. Pas de lâcher les gens, mais ils sont pas là, c'est trop mon truc. Je voulais juste te donner ce que ton père a... Ah oui, il est mort. Donc la clé... C'est la clé de notre père. C'est pas la clé d'un gars d'une voiture. Hein. Petite référence à une vidéo. Hein. Si vous la connaissez, bien évidemment. C'est... allez, petit... Voilà, je vais vous donner une petite... une petite anecdote. Donc cette vidéo... C'est l'une des vidéos préférées de moi et de Anthony. Et à chaque fois qu'on est ensemble, on se la regarde au moins 2-3 fois. Et ça passe nickel. Bien évidemment, vous aurez compris de quelle vidéo je parle. C'est une vidéo géniale. Donc j'ai rencontré ton père à l'hôpital où je travaillais. Il était blessé et je m'occupais de lui. Donc du coup il a voulu arrêter mais il n'a pas pu à cause de ses partenaires. Est-ce qu'il travaillait justement pour Nile ou ce genre de truc? C'est ce qu'on va savoir je pense à la fin du jeu à mon avis. Du coup, quelqu'un sonne à notre porte, ça peut être qui? C'est... Ah bah c'est lui justement, qui nous a bien lâché un gros vent. Tu peux prêter à confusion, ouh là là. C'est peut-être servi de lui justement pour pas nous parler. Bon, du coup, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle avait quelqu'un de spécial mais que quelqu'un d'autre l'intéressait. Qui intéresse, ça a pas fait VB mais il a toujours une place dans son cœur.
ce qu'elle lui a donné, ça j'aimerais bien savoir. Oh, ça va être certainement un truc codé, je le sens. On va se marrer si c'est un truc codé, hein, moi je vous le dis. On va vite regarder. Oh mais ça va être une énigme, moi je le sens. Bon, là je vous le dis, là on va s'amuser. Que peut-il bien qu'on dit ? On va examiner. Et après on arrêtera là. Ah non, ça n'a pas l'air d'un. 1967, Condor a disparu. Jack Green a disparu. Jack Green. Ok, donc on a un nouveau personnage, super. Qu'on ne connaît pas. Ouais, du coup, ouais, on peut directement cliquer sur le téléphone. Ça doit être. Et là, c'est Rachel. Oui. Ça doit être stabilisé, il devrait pouvoir sortir ce week-end. Nouveau personnage, Jack Green. Peut-être un pote à lui, justement. C'est peut-être pour ça, justement, qu'il est dans cette enquête. On verra par la suite. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Sur cet épisode 13, qui était un petit peu bizarroïde. Mais vraiment pas mal le chapitre 7. J'ai bien aimé. Donc, du coup... Moi je vous retrouve donc pour la partie 14. On approche de la fin à mon avis. Je pense qu'on aura moins de 20 vidéos. À mon avis, je dirais 16-17 vidéos minimum, 18-19 grand maximum. Je vais un petit peu continuer encore. Et puis je vais préparer aussi l'épisode 2 de Tell Dusk. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Je vous fais des bisous partout sur votre joli corps, bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine vidéo.